Bonjour à tous. Je fais une petite vidéo là pour vous parler d'un petit sujet sur YouTube qui m'interpelle un petit peu là. Enfin, une façon de procéder. Je m'explique. J'ai remarqué que depuis quelque temps, mes vidéos sont vues dans des pays très lointains, en Asie, Asie du Sud-Est, aussi les pays anglo-saxons, surtout les États-Unis. Je reçois des commentaires sur mes vidéos de ces chaînes-là. Alors, ce sont des chaînes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, hein, plusieurs milliers, et qui me disent, en gros, j'ai adoré ta vidéo, c'est super, je m'abonne à ta chaîne, abonne-toi en retour. Alors bon, déjà, au début, bah, je dis, tiens, c'est sympa, j'aime mes vidéos, pourtant mes vidéos, bon, elles sont ce qu'elles sont, elles sont pas non plus terribles. Je ne suis pas Spielberg, ni Quentin Tarantino, quoi, je veux dire. Je fais des vidéos bon, qui apparemment plaisent, mais elles sont tout à fait simples. Quoi. Je veux dire, voilà, j'ai pas des gros moyens, je fais ça avec, juste avec mon iPhone. J'ai un petit logiciel sur l'iPhone. Vous voyez, j'ai un Mac, je ne sais même pas me servir de logiciel du Mac. Hein. iMovie, donc c'est vous dire. Quoi. Mais bon, pourquoi pas. Quoi. Et puis, j'ai remarqué quand même au fil du temps qu'à chaque fois, bon, alors soit si ces gens-là sont en public, le nom de leur chaîne apparaît quand ils s'abonnent, un tel s'est abonné à votre chaîne, ok. Et s'ils sont en privé, je vois juste le compteur de ma chaîne monter d'un abonné, quoi. Je dis tiens, ouais, effectivement, il s'est abonné, j'en ai un de plus. Et puis, un jour ou deux après, le compteur diminue. Parce que là, quand quelqu'un se désabonne, même s'il est en public, on ne voit pas qui s'est désabonné. Alors que le compteur, lui, baisse d'un, deux ou trois, s'il y a un, deux ou trois abonnés qui se désabonnent. Alors je me dis, c'est quand même quelque chose, ça. C'est des petits malins qui, pour avoir un abonné de plus, s'abonnent à ta chaîne. Donc toi, tu t'abonnes en retour parce que t'es fair play. J'avais fait une vidéo là-dessus au début de la création de ma chaîne, il y a un an, même pas, à peu près. Oui. Et voilà pour dire, je renvoie l'ascenseur, ceux qui s'abonnent à ma chaîne, je m'abonne, c'est la moindre des choses. Mais là, quand même, je trouve que c'est un peu pousser le bouchon un peu trop loin, comme dirait Maurice. Et ben voilà, donc du coup, j'ai décidé maintenant, je me dis que puisque ces gens-là procèdent d'une façon vraiment stupide, puisque pour avoir un abonné de plus, se prostituer, moi j'appelle ça comme ça, je trouve ça complètement con, quoi, complètement lamentable. Alors quand je reçois maintenant des commentaires comme ça de chaînes lointaines, avec un commentaire dithyrambique disant que je suis le meilleur, qu'ils aillent se faire foutre, moi je ne m'abonne pas en retour, comme ça au moins ils se désabonneront directement sans avoir à me casser les bonbons, quoi, voilà. Ce que je voulais vous dire, voilà, c'est je trouve ça lamentable, et même ceux qui regardent mes vidéos, là, ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous vous abonnez, si c'est pour vous désabonner deux jours après, ben, perdez pas votre temps, c'est pas la peine. Moi, je cours pas, je suis pas youtubeur, moi, je ne cours pas après... Après, désabonner pour avoir des milliers d'abonnés, c'est pas mon truc. Moi, je fais évidemment des vidéos pour qu'elles soient vues, comme tout le monde. Mais je veux dire, je veux pas rentrer dans le système YouTube, avoir plein d'abonnés, me sentir ensuite obligé de faire des vidéos une fois, deux fois. Il y en a qui font des quotidiennes, tous les jours ils sortent une vidéo. C'est bien si ça leur plaît. Moi, c'est pas du tout mon truc. J'ai vraiment pas envie d'être coincé par ce genre de système. J'en ai vraiment rien à foutre, mais franchement rien à foutre de ça. Moi, si c'est pour faire une vidéo pour montrer comment on vide un chiotte ou comment on met du vinaigre dans son évier pour désinfecter, non, je veux pas pondre une vidéo comme ça, alors qu'il y en a qui le font, quoi. Tant mieux pour eux, si ça marche, c'est bien, c'est pas mon truc, voilà. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de cette petite réflexion qui, pour ma part, bah, je trouve ça complètement con, quoi. S'abonner pour que vous vous abonniez, pour se désabonner après, bah, comme disait Belmondo dans Un bout de souffle, si tu n'aimes pas la mer, si tu n'aimes pas la montagne, si tu n'aimes pas la ville, va te faire foutre. Salut tout le monde.